Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Ah non, c'est de très belles portes, c'est du bois massif, hein, ça, je reconnais, c'est du chêne. Oui, oui, l'odeur cirée comme ça, j'aime oh, bien. Oui, 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 oui. Ça me rappelle le coup de ça, c'est pas un petit commissariat, c'est un très beau commissariat. Ah, attention, très beau, toujours très grosse porte. On est rentré comme en dedans. Très grosse porte, hop, je pose l'attaché case ici, hop. Oui, je vais la déposer moi à côté de la tienne, on confondra pas. Désolé pour le vent, vous arrivez au mauvais moment. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Hop, attendez, il m'a fallu un peu de concentration pour m'asseoir. Voilà. Écoutez, monsieur, désolé de rigoler, c'est parce que c'est l'avion, ça déstabilise ouais, un petit peu. Écoutez, est-ce que monsieur Charlie Woods vous dit quelque chose, ce nom-prénom? Charlie Woods, pas du tout. Ok. Alors, Charlie Woods se présente comme un individu qui travaille au sein même de votre commissariat en tant qu'homme de ménage. Homme de ménage? Oui, tout à fait. Ce sont ses instructions, monsieur le commandant. D'accord. Et il s'avère que, vu qu'il travaille dans le commissariat, un ancien policier... Agent numéro alors, 16. Voilà, ou au, oui, moment 16. Des faits, ou au moment des faits policiers. Lui a demandé de sortir une arme à feu contre l'échange de quoi d'ailleurs? Une négociation avec la police de monsieur Hazard de 16 000 dollars. 125 000 dollars, oui. C'est ce qu'il a dit, 125 000 dollars. Mais messieurs, en fait, là, il y a confusion. Je vais me présenter, d'accord? Oui. Alors, je suis sous l'axe, je suis commandant de la police. Moi, vos petites affaires de connel avec des agents, avec tout le respect que je vous dois, j'en ai rien à foutre. Donc, en gros, ce que vous me voulez, parce que pendant que vous occupez mon temps, il y a des criminels qui viennent du Mexique, qui déposent des bombes dans des écoles, et pendant ce temps, je suis pas en train de les arrêter. Bien sûr. Du coup, je réitère, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, bon, on parlera cette affaire un petit peu plus tard, alors j'aurai sûrement affaire avec un de vos capitaines. Oui. Dans ces cas-là, est-ce que vous pourriez nous donner un petit conseil concernant un local pour s'installer et faire notre travail? Une petite pièce, un cagibi, peut-être un sous-escalier, une cave, quelque chose alors, pour faire notre vous travail avez deux, vous avez deux options. Soit vous voyez avec l'agent immobilier directement, dans ce cas-là, il sera encore mieux placé que moi pour vous trouver un petit local, soit il y a des locaux qui sont explicitement réservés pour des avocats de qualité comme vous. Ah bah c'est très agréable en tout cas. C'est très agréable, Sterling, oui, ouais. Effectivement. En tout cas, je suis très très content de vous accueillir à Los Santos. On avait besoin d'avocats comme vous. J'espère que votre séjour se déroulera bien et j'espère que vous perdrez toutes vos affaires contre moi. D'accord. Ah non, oui. Ou peut-être qu'on vous aidera, voyons, je ne sais pas pourquoi vous parlez. En tout cas, si je puis me permettre, très belle roue flaquette, monsieur à gauche. Ah oui. Ouais, merci. J'en ai rarement vu débarrer, je peux vous dire que celle-ci, c'est... C'est des rouflaquettes qui m'ont été données par mon père, c'est... Ouh là là, et ben c'est un bel héritage, monsieur, laissez-moi vous dire que c'est un bel héritage. De père en fils. Ouh là là, c'est des belles rouflaquettes, et c'est un très beau fils. On s'entend mieux, déjà, je suis moins énervé. On s'entend tellement mieux. Ouh, ça fait du bien. Ah oui, en effet, très belle voix, maintenant. Vous voulez peut-être le numéro de l'agent immobilier, messieurs? L'agent immobilier, peut-être? Oh, écoutez, oui, nous prenons, bien sûr. Rappelez-moi mon nom, s'il vous plaît. Monsieur Rick Cooper, accompagné de monsieur Marty Sterling. Ok, Mick Mooter et Tarkin Carling. Non, monsieur Rick, monsieur Rick Cooper, monsieur. Vic. A priori, je fais des positions, c'est bizarre. Non, tu n'es pas obligé de montrer ton yoga personnel. Je t'ai dit de garder ça entre nous, Sterling. Comment s'appellent les bouddhistes quand ils touchent? Ah, le Nirvana. Il a touché le Nirvana. Je me rapproche de la lumière. Sterling, peux-tu rester avec moi, s'il te plaît? Oui, atterris un petit peu. Ouh là là. Waouh, là, il y a un problème. Attendez, on peut dire que j'ai... Si je puis me permettre, j'ai le cul entre deux chaises. Attendez, excusez-moi. Oula, tu as le cul en dessous, ma chaise, là, maintenant. C'est bon. Voilà, ça va aller mieux. Ouh là là là. Excusez-nous, on est très sportifs en tant qu'avocat. On est navrés, c'est vrai que l'avion nous a un petit peu, vous voyez, on avait besoin de ce... Voilà, hein. Vous pouvez baisser les mains, je vous arrête pas. Très bien, c'est enregistré, je vous 5-5-5, vous voulez pas le 5-5-5 devant hein? Oui, c'est fait. Dis-moi Sterling, tu veux pas juste t'asseoir normalement comme je t'ai appris Bien sûr. Ok, moi je vais prendre votre numéro, un de vous deux s'il vous plaît. Oui, bah prenez le mien, voyons. Bien sûr, ok, à toutes les unités, écoutez-moi bien. Est-ce que vous pouvez noter 2872 comme numéro d'avocat commis d'office si jamais il y a des... Et le 57-33. Oh bah dis donc, le Nirvana, je commence à le voir aussi, dis donc. C'est déjà noté, oui, voilà. Ok, messieurs, je vais vous raccompagner. Volontiers, attendez. Oui. Laissez-moi un petit peu de corde. Oh là là, oh, je suis... Attends, l'attaché-caisse. Oh l'attaché-caisse, oh là là, on a pas oublié nos attachés-caisse.
Voilà, très belle rouflaquette hein, cet homme. Ah oui, oui, c'est du 3 mm. C'est beau, ah non, mais c'est des rouflaquettes avec un rasoir de 3, hein. Ça je le reconnais. Oui, oui, ça je reconnais. Dites-moi. Oui, monsieur. Je sentirais pas une once de jalousie face à ces belles roues. Peut-être. Alors, monsieur, laissez-moi vous dire une chose. Si j'avais la chance dans ma vie d'avoir des rouflaquettes pareilles, je la saisirais immédiatement. C'est bizarre parce que là, vous êtes focus sur mes rouflaquettes. Ah, bah, parce que c'est des. Attends, excusez-moi, c'est les filles, c'est ma petite nièce. Ah ouais, tonton. Oui, ma petite nièce, qu'est-ce qui se passe? Je t'attends ou je peux y aller? J'arrive. J'étais avec le commandant qui est très agréable. Ouais, et j'étais avec un homme avec des rouflaquettes, je te raconte pas. J'en fais un petit schéma tout à l'heure. Ok, pas de soucis. Oulala, on passe pas à deux. Attendez, excusez-moi. Voilà. Bon, j'arrive tout de suite. Aujourd'hui, il va m'arriver un truc de ouf là. Il a focus mes rouflaquettes aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Merci en tout cas beaucoup, merci monsieur le commandant. Ouais, merci commandant, merci et beaucoup. Et passez une bonne journée et puis que vos arrestations soient douces et agréables. Ok, eh ben très content que vous soyez l'oncle de Effie, ça pourra lui servir. Ah! Oh bah. Soyez prudent, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Bon, dis-moi. Non, j'ai pas de problème, on sait jamais. Venez, on va dans le trottoir en face. On va dans le trottoir. Oui, il faut partir, je pense. Il faut partir, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème, je ne veux pas de problème. Monsieur, vous êtes investisseur pour les machines à chips, du coup? Vous êtes un concept de concept? Ah non, pas du tout. Moi, je suis juste bien. Vous allez nous raconter ça. Non, moi, j'ai un concept de fou à vous raconter. Moi, je savais pas ce qu'il avait tout raconté. Vas-y, désolé, on est parti sur des. Il n'y a pas de mal, monsieur. Il n'y a pas de mal. Je crois que vous empêchez cette personne de se garer derrière, si je puis me permettre. Non. Oui, pardon, autant pour moi. Ah, d'accord. Vas-y, avance. Ah bah, il est parti. Ah bah, vous l'avez fait peur. Il est parti. Il y a Hermano, moi, il vient de se faire arrêter. J'aurais besoin de vous. Pardon, des excusez-moi. Hermano. Effie, qu'est-ce donc qu'un Hermano? Ses amis, ses frères. Ah, d'accord, très bien. Il faut le dire tout de suite. Alors, attendez, si c'est une petite affaire, je prends mon calepin. C'est pas une petite affaire. Oh, bah, si c'est une grosse affaire, est-ce qu'on a plus gros que ce petit calepin? On va sortir nos deux calepins. Bah oui, on sort deux calepins. Deux calepins, oui. On vous écoute, monsieur. Vous appelez comment déjà? Appelez-moi Vertigo. Vertigo, très bien, c'est noté, monsieur Vertigo, enchanté. Je vous écoute. Ça va quoi, Vertigo? Mais que se passe-t-il? Dis donc, il se passe beaucoup de choses ici. Oh là, attention, descend. Oh là là, ça je reconnais. Oh, ça c'est terrible. On se termine. Ils ont failli renverser quelqu'un là, non? Il faut noter, Sterling. Note, Sterling, je ne peux pas, j'ai les mains en l'air là. Non, mais là j'en peux plus. Non, Sterling, relève-toi, Sterling. Ça devient très difficile. Écoutez. On vous note, excusez-moi, monsieur Vertigo. Excusez-moi. Y'a pas de problème, je vais m'alléger. Il y a des gens qui ont capturé une boyosse, une policière. Une policière. Avec vous, faut que je parle bien américain. Mm-hmm. Une policière. Malheureusement, il y avait mes hermanos qui étaient avec eux. Oui, bien sûr. Et ils viennent de se faire arrêter. Ok? Et j'ai besoin de vous pour faire sortir de là. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Vous en savez plus sur cette arrestation? Est-ce que, par exemple, les règles... J'ai juste entendu mon hermano crier « Oh !» à la radio. Et après, j'ai rien d'autre. Le A, est-ce que c'était un A aigu ou un A grave? Oui. C'était plutôt... Attendez. En gros, c'était pas un « Oh !» Oh voilà. C'était plus un « Est-ce que ça sentait la douleur ou le plaisir? C'est exactement ce qu'on cherche à déterminer. Oui, bien sûr. Oui, non, mais il faut... Sterling, il faut pas hésiter à dire les mots tels qu'ils sont. Vous prenez pour un con? Moi, je suis... Pardon? Vous prenez pour un con? Ah non. On a besoin d'un maximum de détails pour essayer d'aider votre ami. Monsieur. Écoutez, monsieur, à partir du moment qu'on nous engage, nous. De douleur. Donc, douleur, nous, note, notre s'il objectif, te plaît. Donc, c'est de. Et puis, j'espère que c'est les meilleurs parce que là. Nous sommes les meilleurs, monsieur. Oui, c'est vraiment les meilleurs, je te l'ai dit, c'est les meilleurs avocats d'Amérique. Donc, capturés par des policiers, vos collègues, ouais. Avec beaucoup de douleur. Donc, je pense que la police n'a pas été respectable de l'être humain, n'est-ce pas? C'est bien ça. À mon avis. Il y avait combien de personnes qui se Oui, exactement. Combien de personnes se sont occupées de vos amis? Boss. Ils sont actuellement en cellule. Donc, je veux dire deux, monsieur Sterling. D'accord, deux. C'est que ils sont là actuellement en cellule, vous allez les voir et vous allez dire c'est Vertigo qui m'a engagé, ok? D'accord. Très bien. Parlez avec eux parce que je sais pas ce qu'ils ont sorti au Poyos, mais au moins moi je vous donne la version des faits, eux je sais pas ce qu'ils ont sorti. Qui sont les Poyos, monsieur avec... Qui sont les Poyos, Effie? Quoi? C'est qui les Poyos? C'est la police. Ah oui, d'accord. Donc Poyos égale... Note ce petit raccourci, dis donc. Oui, Poyos. On les appelle. Ça peut être intéressant à l'avenir d'apprendre ce langage de Los Santos. Bien sûr. Ouais, je pense, hein. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant de nos tarifs, monsieur, tout de même?
Je reprends mon attaché. Est-ce que vous êtes au courant de nos tarifs, monsieur? C'est combien? Oh, c'est 10 000 l'affaire. Donc. Quoi? Bah écoutez, j'ai. On a payé 750 dollars un taxi tout de même, monsieur. Écoutez. Ah, on s'était fait arnaquer. C'est la nièce de qui, ça? Ah, monsieur Rick Cooper, en face de toi. Ok, ben je suis votre beau neveu. Oui. Voilà. Pardon? Ah, c'est la famille. Ouais, voilà, c'est grave la famille. On peut parler de minutes encore, s'il te plaît? Ouais, non, mais il raconte des conneries. J'ai jamais couché avec lui, tonton. Enfin, même embrasser ou. Je comprends pas, je... Oh là là, on essaie de m'appeler, et la sonnette est vraiment très rien, forte. Rien, t'inquiète, il rigolait, en gros, on est amis, quoi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Écoutez, on va au commissariat voir ce qui se passe en dessous. Oui, on va y aller, je crois que c'est une super idée, non? Je vous ai envoyé un message avec moi où j'ai présenté mes excuses. Je sais que je ne fais jamais. Bah du coup, moi, mon origine à la patate, on en parle quand? Bon, tu peux attendre, toi. D'accord. Bah, écoute, tu l'as avant toi, donc... Oulala. Eh ben, vas-y, redonne-moi encore... Oh, c'est bon, arrêtez, là, vos gros pénis, on s'en fout. Rangez-les et arrêtez, bon, là. Bon, regarde, je t'ai envoyé un message. Tiens-moi au courant de ce qui se passe dans l'affaire, ok? D'accord. Regarde, je t'envoie un message, excusez-moi, je étant nouveau dans cette ville, est-ce que 10 000 vous paraît beaucoup trop? Est-ce que 10 000 vous paraît... Ça dépend. En fait, pour nous, en fait, ça peut le faire. En vrai, ça peut le faire. Tout dépend de l'affaire. Et vous voulez que je les sorte ou une information précise? Non, ou... que vous les sortez. D'accord. Qu'ils ont le moins d'amendes et le moins de trucs possibles. Eh ben, nous y allons de ce pas, monsieur. On va essayer de faire le maximum. J'espère en savoir plus sur cette affaire et aider vos amis à sortir d'ici. Tout ce travail acharné. Tonton, j'ai un gros problème. Je dois vraiment te laisser. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes ici quand même. J'ai mon chat qui a fait une intoxication alimentaire et donc du coup, je l'ai emmené chez le vétérinaire. C'est ma patte. Faut que je vienne avec toi ou pas? Ouais. Ok. On va s'occuper de vos hermanos. Ok. Pas de soucis. Merci. Merci. Allez. Les avocados. Mais les filles, tu me tiens au courant, on se voit plus tard. Hein. Ok, à plus tard, tonton. Gros bisous. Je comprends, je suis un patate, moi, je comprends pas là. Pardon? Là, machin, je cherche un tonton. Oui, machin. Oui, voilà. Ok. Donc, vous connaissez bien, monsieur Cooper? Je cherche votre frère, moi, je sais pas comment ça. Oui, monsieur Michael. Ouais, c'est ça. Oui. J'étais mon associé, vous voyez? Oui, j'ai une petite affaire. J'ai une petite affaire, éventuellement, avec laquelle j'aimerais beaucoup discuter de façon légale. Oui. Exactement. Est-ce que vous avez mon numéro, monsieur? Moi, absolument pas, je vous rencontre il y a à peu près, moi, ça fait quoi maintenant? 6 minutes. Eh ben, prenez de quoi noter, et puis vous prenez mon numéro et puis on se voit très vite dans un domaine ailleurs que devant ce commissariat, monsieur. Ok, merci beaucoup. Parce qu'en fait, finalement, j'ai de venir. Moi, j'ai toujours pas compris ce que je foutais là. Vous êtes des investisseurs, des avocats, vous êtes quoi exactement? On est avocat au gros barreau, monsieur. Vous avez pas compris depuis tout à l'heure, après le vie. Ah, mais en fait, c'est pas que j'ai pas compris depuis tout à l'heure. C'est juste qu'il y a un mec avec un bandana et des trucs tout jaunes qui vous parlent. Moi, je comprends pas de ces manos, hein. Après, il y a une fille qui me dit qu'elle doit me faire rencontrer son tonton, c'est hyper important. C'est un chien parce que je dois parler d'investissement. Moi, je comprends pas tout. Mm-hmm. Moi, en tout cas, je vous appelle. Très bien. Eh ben, écoutez, ravi de... Oh, putain, ils viennent avec leurs jambes, là. Oh, bah, vous. C'est très bizarre, cet homme. Oui, Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit chips. Je pense qu'il a voulu dire chips. Il a quand même réussi, mon cher Sterling, à me faire mal aux oreilles en très peu de temps. Oui. Très peu de temps de conversation. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont fait très mal aux oreilles. Oui. Beaucoup de... Je pense qu'on va trier les dossiers. Parce que à ce rythme-là, ça va aller très vite. Oui, je pense aussi. Est-ce qu'on s'occupe des gens en prison ou on s'en va très loin et on ne revient plus? Allons finalement à Miami Vice. Miami a l'air pas mal. Une belle destination. Oui, une belle destination. Bon, allez, on va essayer de s'occuper. Aïe. Pas facile ces jours-ci. Alors attendez, il faut que j'appelle 04. C'est lui qui m'a dit de l'appeler en cas de. Alors oui, je pose ma mallette que là. Que se passe-t-il avec 04 Alors non, rien du tout. C'est juste qu'il m'a dit que si on a besoin d'accéder à la prison, aller voir les prisonniers là actuellement, il fallait que je l'appelle. Oh bah dis donc. Oh bah je suis bien confus là. C'est pas dans votre habitude ça, que se passe-t-il? Ah oui, non, pas du tout. Oh bah je pense que c'est l'émotion. Le voyage dans le coffre m'a fait un grand mal, mon cher. Bien sûr, oui. C'est vrai qu'on a été trimballés de gauche à droite, je ne vous raconte. Ah oui, mais depuis qu'on est arrivé, ça... Laissez-moi finir, Sterling. Raconte pas. Je ne vous raconte pas. Mais ne me dites rien, alors. Mais je vous dis rien, Sterling. Je ne veux rien savoir. Mais je ne vous dis rien. Voilà, comme ça, j'en ne serai pas plus. Eh ben oui, je ne vous dis rien. Bonjour, 04. Nous sommes devant le guichet Mission Row Police. Vous m'entendez pas? Voilà. Donc, oui, effectivement, si, je vous c'est entends, Maître Sterling. Mais merci, Cooper. Avocat au gros barreau, exactement, c'est nous-mêmes. Et donc, nous sommes à l'entrée du commissariat et nous souhaiterions... voir des délinquants. Voir des clients qui seraient emprisonnés actuellement au sein du poste de police de Los Santos. Il n'y a personne actuellement. C'est très aimable à vous, merci beaucoup, 04, et soyez prudents.
Au revoir. Bah, il a l'air de se passer des choses dans cette ville, dites-moi. Ça, ça n'arrête pas. Est-ce qu'on va pouvoir parler à une personne plus de 3 minutes sans qu'elle nous casse les oreilles? Oui, que penses-tu d'ailleurs du commandant d'Ivoire, Sterling? J'ai peur. Oui, on va dire qu'on est d'accord qu'il était bien debout sur la chaise et non assis, voyons. Il était debout, il a imposé son autorité. Je pense que là... Oui, il a l'air jeune, non? Il a l'air un peu... Il a l'air jeune. Il a l'air jeune, motivé, un petit ronflant, si tu vois ce que je veux dire. Ah, forcément, ma petite Effie, tout de même. Alors, en tout cas, elle est charmante comme tout. Et, ah, elle est charmante. Et elle a l'air en bonne santé, c'est le principe. Elle est en bonne santé, oui. Très bonne santé, oui. Elle est bonne santé. Oui. C'est pas ma nièce pour rien. Ah, comment on appelle? Attendez. Alors, est-ce que les policiers semblaient être des policiers? C'est la question que je me suis posée également. Comment ça, expliquez-vous, Sterling? Est-ce que finalement dans cette ville, est-ce que le taxi était un taxi finalement? Oui, voilà. Est-ce que dans cette ville, les gens sont des gens? Oui. Allô? Oui, ma petite Effie, comment vas-tu? Allô? Oui, Effie? Oui, tonton. Oui, comment vas-tu? Ça va, hein, super. Écoute, t'as un comportement un peu étrange. Est-ce qu'on peut se voir quelque part ou pas? Oui, il n'y a pas de type. Oui, j'arrive tout de suite, tonton. Très bien, à tout de suite. À tout de suite. Parce que, entre nous, Cooper, oui, histoire de chips, hein, bon, oui. Voilà. Oui, cette histoire, un peu tiré pour les cheveux. Oui, on a connu ça, nous, à l'époque. Je me permets de t'émettre un doute, qui est un doute. Je pense que cet homme est très bizarre, hein. Je pense que cet homme est très bizarre. Malheureusement, n'ayant pas accès à un agent de sécurité de la ville, on ne peut avancer. On m'appelle. Ouais, la sonnerie du téléphone est vraiment très très forte. Oui, Cooper. C'est une très forte sonnerie. Oui, c'est une très forte sonnerie, Cooper. Je décroche. Ouh là là, il va faire tout noir, je crois. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi. Il n'y a pas de prisonnier actuellement. Ah bah ça arrange... Bah, affaire réglée en fait. Ah, nous avons réglé notre première affaire. Ah bah super, bah merci. On va réclamer notre somme. Et ça fera 10 000 dollars, mon cher. Et je vous remercie. On se tient au courant, 04. Soyez prudents. Allez. Il n'y a pas de prisonnier. Tiens donc. Oui, bien sûr. C'est un peu bizarre. Ben voilà, affaire résolue, en bonnet du forme. Ils sont sortis de prison. Ils viennent de sortir? Non, pas du tout, il m'a dit qu'il n'y a pas de prisonnier, tout simplement. Ceci est fort embêtant, non? Tu sais, la personne qui était maquillée est peut-être dangereuse, non? Avec le mascara? Oui. Oui. Un petit peu abusé d'ailleurs, je pense. Oui, c'est trop étalé. Oui. Eh ben écoute, tu as son numéro de téléphone à Vertigo? Oui. Bah, appelons-le et disons-lui que la police nous a certifié qu'il n'y avait aucun prisonnier. Pose ton cartable, voilà. Oui, ne décroche pas, c'est très bizarre, c'est très déconvenu tout cela. Il devrait y avoir... Il faudrait peut-être une auto, là, parce que moi je ne repaye pas un taxi. Ah, il fallait parler à l'agent immobilier, dites donc. Oh, mon cher Sterling, appelez-le, demandez s'il y a un petit cabinet pour nous. Allez, je l'appelle. Et dites bien qu'on vient de la part du commandant, hein, bien sûr. Vous pouvez lâcher votre intersecret, je pense. Oui, c'est vrai. Je le pose là. Bah, du coup, je suis en oreiller. Oui, bien sûr. Peut-être envoyer un. Ça trouve pas le numéro. Ce numéro n'est pas attribué. Je pense que le capitaine s'est moqué. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous savez s'il y a des flics là ou pas? Où ça va? Il y en a deux ici, là, monsieur. Oui. Ok, merci. De rien. Donc, on a un mauvais numéro. On n'avez pas numéro. Noté le bon numéro. D'accord. Il semblerait. Sachant que je n'ai pas noté le numéro du commandant. Je vais vérifier, mon cher Cooper. Je vais poser mon attaché-caisse, bien sûr. Bien sûr. Je vais vérifier si j'ai pas mis un 5 en plus. Ouh là là, téléphone. Dis donc, c'est vrai que c'est très fort. Oui, c'est très fort. Hein. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour, monsieur Vertugo. Oui. Oui, c'était pour vous informer qu'il n'y avait personne. Je pense que vos collègues sont sortis depuis quelques minutes, voire bien. Ah, vous avez fait votre travail? Ah bah oui, monsieur. En tout cas, on essaye. C'est rapide quand même. Écoutez, on essaye. Ils sont donc sortis, je dirais. Ah, Delmia, c'était pas une légende en fait. Voilà. Ah, écoutez, il n'y a pas de légende ici. Bonjour, monsieur l'agent. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Écoutez, passez au barrio, je vous paye. Vous avez besoin d'aide? Très bien. Bah, vous savez quoi? On passera avec Effie, d'accord? Je vais pas tarder, vous voulez pas passer maintenant, comme ça moi je peux aller me coucher tranquillement. Oh bah écoutez, allez vous coucher tranquillement, j'ai votre numéro, on se rappellera plus tard, vous savez, ça ne presse pas, vous êtes peut-être un bon. Vous faites le 50 fois sans frais ou pas? Oui, bien sûr. C'est vrai, je vais 50. Bien sûr, 50 c'est bon. Moi j'aime bien aussi le 100 aussi. J'aime bien aussi le 100. C'est 50, on va rester sur 50, monsieur. Ah ouais. C'est le nouvel iPhone valise. On va rester sur 50. Allez, 100. Écoutez, monsieur Vertugo, il y a d'autres affaires en fait en cours, je vous dis à tout à l'heure. Ok. Bonjour. Beaucoup de monde ici. Bonjour monsieur, excusez-moi. Bonjour. Est-ce que je me permets de vous déranger? Est-ce que vous auriez le numéro d'un agent immobilier en ville, messieurs? Oui. Ah oui. Oui, monsieur Tanaka. Venez. Ah, c'est monsieur, oui, c'est ce monsieur même. Tanaka, oui, c'était ça. C'était ça. Dès qui? Ouais, une seconde, je donne un numéro important, okay. Là, c'est monsieur, j'arrive. C'est très aimable à vous, monsieur.
Bah, avec plaisir. Hein. Bah, vous m'avez l'air d'être très professionnel. Là. Nous sommes tout à fait professionnels, maître Sterling Cooper. Avocat au gros barreau. Et dans les mallettes, là, y a pas de l'argent, là. Vous pouvez... Oh, c'est que des textes de loi, monsieur. Vous voulez voir? Non, c'est bon, c'est bon. La loi et moi, ça fait 25, hein. Eh ben, vous aurez sûrement besoin de nous. Prenez notre numéro après, alors. Ah, ça marche, hein, c'est bien pris. Alors, 55-62-53, hein. Ah, 53, d'accord. J'avais mis 63, tu vois. Ah, bah oui, bah, c'est pour ça que Sterling, on ne trouve pas. Eh ben, je vous remercie grandement. La dernière fois que je l'ai vu, là, il était à la soirée du golf, là, donc peut-être qu'il sera occupé, hein. Eh ben, on va l'appeler incessamment sous peu, en vous remerciant, messieurs, de votre hospitalité. Mais avec plaisir, messieurs, hein. Passez une bonne soirée. Très bien, de votre temps. Passez une bonne soirée, messieurs. Et si vous êtes dans un avocat, notez nos numéros, hein. Ah, on fera appel à vous via Twitter, hein. Oula, alors nous ne sommes pas des comment vous dites, des tweetos. Ah, vous savez, il faut bien se mettre du jour, hein. D'accord. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. De toute façon, on fera une petite annonce. Au pire des cas, messieurs, écoutez-moi bien. Ah, je vous ai... Si jamais vous faites arrêter ou quoi que ce soit, vous demandez au commissaire ou à l'agent qui vous a arrêté de faire appel à Sterling Cooper. Oui, nous sommes avocats commis d'office. Eh bien, écoutez, moi, je me présente au alors. Moi, je m'appelle Monsieur Rick Espanich, patron des taximans, d'accord? Eh bien, ravi de vous rencontrer, monsieur. À ma gauche, il y a le copatron Carlos de Santos. Oh. Et à ma droite, le manager Gus. Enchanté, une belle équipe. C'est une belle équipe. D'ailleurs, on peut pas que je vous ai... La première course de taxi, c'était dans un petit pot de yaourt, c'est... Ah oui, et j'étais dans le coffre, Esterman, oui. Monsieur. Vous n'avez aucun taxi-taxi? C'était avec qui? Un monsieur qui vous a demandé 700 dollars, c'est beaucoup ou pas? Ça dépend, c'était combien de kilomètres votre... Aéroport à ici, hein. Ah oui, bah c'est un petit peu loin quand même. Je peux savoir là, quelque chose, c'est quoi le numéro, c'était quoi votre numéro, s'il vous plaît? Notre numéro, bah attendez, ne bougez pas. C'était quand exactement? Ah bah c'est toi, Sterling, qui a passé la paix. Ah oui, c'était moi, c'était quoi d'ailleurs? Alors, donne ton numéro, Sterling. Bien sûr, je vais le faire immédiatement. Et c'était le 57-33. C'était à peu près quand? C'était à peu près vers 23h. Écoutez, c'était une personne avec des cheveux gris. C'est 71. Ok. Okay. Bah, très bien. Mais très charmant. Très charmant. Très charmant. Très charmant. Mais il m'a fait locher dans un coffre. Alors je sais pas si c'est une habitude de la ville. Bah il va sauter. Non. Mais monsieur, le problème c'est qu'il est là depuis hier. On a déjà eu un problème avec lui. Et là c'est le deuxième problème. Oui, mais il était tout de même très charmant. Laissez-lui une chance. Il en avait une. Mais bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il va sauter. Et s'il a quelque chose à dire, ben il fera appel à un avocat. Eh bien, écoute, monsieur Sterling, ça sera peut-être une bonne idée. Finalement, très une bonne idée. Écoutez. Alors, en fait, on est business ici. Oui, on aime bien l'idée, C'est du bon business, c'est du bon business. Vous aimez le faire, hein. Oui, c'est du bon business. Écoutez, faites ce que vous avez à faire, après ça, ça ne nous regarde pas. Oui, voilà, c'est vous, vous êtes le directeur, vous gérez votre société comme bon vous semble. Je fais ça avec plaisir, évidemment. Mais il était très charmant tout de même, hein, on ne va pas... Mais si jamais il venait à être viré et avoir besoin d'un avocat, nous serions là, bien évidemment, pour lui tendre la main. Très bien, merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup pour votre bien. À très bientôt. Bon vent, hein. Merci. Mon cher Sterling, est-ce que tu peux appeler, s'il te plaît, le... Attends, parce que j'aimerais ne pas avoir des affaires toutes les 3 mètres. Je pense que la ville ne connaît pas beaucoup d'avocats. Oui, voilà, il nous faut 2 attachés-caisses, je pense, par personne. Oui, oulala, ça fait beaucoup de bruit pour peu de... Voilà, bon, je me permets d'appeler Monsieur Katana. Alors, c'est une infraction. Résumé de la soirée, j'ai une nièce qui est censée venir que je n'ai plus jamais revue. Voilà. On n'a pas de locaux, mon cher Sterling, vers le moment d'en rigoler. Mais par contre, on a plein d'affaires. J'appelle monsieur... Par contre, on a plein d'affaires, mais on n'a aucun tarif, monsieur Sterling. Oui, c'est vrai. Et aucun logement. Oui, bonjour, monsieur Katana. Je me présente. Ici, c'est monsieur Cooper, maître Cooper. Non, ça, c'est mon collègue. Donc, moi, je suis maître Sterling. Et nous recherchons des locaux actuellement. Ah, putain, j'en ai marre. Eh ben exactement, nous avons beaucoup de bien de vous. Et du coup, est-ce que nous pourrions nous rencontrer, mon cher monsieur? En fait, donnez-nous l'adresse. Ouais. Oui, ma petite fille, je t'attends depuis 10 minutes. Que se passe-t-il? Allez, hop, je raccroche, elle m'a cassé les couilles. Merci à vous de votre gentillesse. C'était pas bien important. Bon, alors, a priori, le monsieur n'est pas en fonction, mais il est prêt à nous rencontrer. Hein, oui. Tu as ma mallette, est-ce que tu as ma mallette? Oui, tiens. Il est à une fête, il m'a dit qu'on peut le rencontrer là-bas. Alors, je ne sais pas du tout où c'est au niveau du golf. Voilà, c'est la seule information que j'ai, mais on ne connaît pas la ville et nous n'avons pas d'auto. Bon, je rappelle ma nièce, je vais raccrocher au nez, figure-toi. Oui, allô?
Envoie-moi une position, tonton, j'arrive. Devant le commissariat, on n'a pas bougé, on n'a pas de véhicule, on n'a rien pour bouger. Ah, ok, j'arrive, tout de suite. Un comportement bizarre, quand même. Un petit comportement bizarre. Tiens, tu peux me passer l'attaché caisse, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, bien. Merci. On lui demande de... Hey, est-ce que tu penses qu'avec le peu d'argent d'économie qu'on avait mis de côté, on peut s'acheter au moins un véhicule ? Bah écoute, vu les tarifs des taxis, je doute fortement. D'accord, c'est plutôt rassurant. Si j'avais su qu'un aéroport commissariat, ça coûtait un SMIC... Un SMIC ? J'aurais fait... Oui. Oh, ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Oui, c'est un mot juridique. Oui, j'entends. Oula, oula, attention. Partons avant qu'on ait une autre. Bah dis donc, ils sont très nombreux. Il y a du monde, hein. Belle voiture. Alors, t'as entendu le capitaine, hein, des Mexicains armés jusqu'au dents. Ah, les Mexicains. Imaginons que dans une vie parallèle, je sois quelqu'un de monstrueux ou de méchant. Oui, bien sûr. Je pense que je ferai un groupe avec d'autres gens et je m'appellerai Arc-en-Ciel. Oh, ça sonne... Non, Rainbow. Rainbow. Oh, ça sonne... Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Oui. Ah, oui, ça me plaît beaucoup, ça, dis-moi. Ah, oui. Et moi, je me verrais bien dans une vie antérieure comme un vieux grincheux. Un vieux grincheux un peu foufou, quoi. Un vieux grincheux. Oui, un petit vieux comme ça qui ferait des gringeries. Avez-vous eu l'impression d'avoir plusieurs vies dans votre vie ? Souvent. Des fois, quand je me réveille le matin, j'ai peur, laissez-moi vous dire que j'ai le sentiment d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est plutôt inquiétant, ça, par contre. Oui. Je te donnerai un contact. Je dois le reconnaître que je te donnerai le contact d'un bon psy. Bon, ma nièce commence, si je puis me permettre, avec tout le respect que je dois, à me casser les couilles. Voilà. Je ne me voyais pas dans des retrouvailles comme celle-ci. Elle est là, regarde ça. Oh là là, c'est quoi cet engin ? Oh là là, c'est un bel. Oh, j'ai oublié mon attaché caisse. Oh là là. Dis donc. Oh là là. Non, je monte pas dans le coffre, hein. Je te préviens. Derrière. Hop, je redescends, hein. Je me sens pas à l'aise devant. Bah, moi, j'y vais. Ah, d'accord. Tu t'attends. Ouais, non, mais je suis pas à l'aise donc. Je préfère devant. Non. Voilà, mais j'y suis. S'il vous plaît, non, Sterling, allez à l'arrière, s'il vous plaît. J'aimerais discuter avec ma nièce. Du coup, je vous laisse aller. Bien sûr. Je pense que j'ai. Ah, Effie, comment vas-tu ? Est-ce qu'il y a une ceinture ? Ok. Est-ce qu'il y a une ceinture ? Le téléphone. Il est au téléphone. Okay. Ok, à plus tard. Attends, je peux pas te parler là, à plus tard. Oh, quelle soirée, tonton. Bon, ma petite Effie, qu'est-ce qui se passe alors ? J'ai l'impression que t'as oublié ton oncle. Je croyais que t'étais contente de me voir. Bah, j'étais contente de te voir, oui, mais j'ai eu un gros problème. D'accord, alors on va commencer en ordre. Est-ce qu'il y a une ceinture de sécurité dans ce gros véhicule ? Alors, non. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de coffre, Cooper. Disons que je l'ai acheté vraiment aux enchères parce que j'avais plus de thunes, donc du coup, cette caisse, elle est un peu. C'est quand même pas mal, c'est pas mal. C'est un très beau véhicule, il me fallait un petit escabeau pour monter. Effie, je me permets de te poser une question, toi qui connais un peu plus la ville que nous. Oui ? Combien coûte un véhicule ? Un véhicule qui roule. Bah déjà, je pense que vous pouvez avoir un bon petit truc pour 20 000, 30 000 dollars. Oh, peux-tu nous emmener au concessionnaire, ma petite Effie ? Parce que figure-toi qu'on doit aller voir l'agent immobilier pour peut-être un local. Il y a une fête. Oui, il y aurait une fête. As-tu entendu parler, Effie, de cette petite fête ? Parce qu'une femme douce et jeune comme toi devrait être à cette fête. Au niveau du golf. Alors, non, j'ai pas du tout entendu parler de ça, par contre. Oh là là, ça m'est pas au courant, ma petite Effie, c'est pas bon ça. Ah oui. Tonton, je voulais te demander. Oui. Est-ce que le commandant Soulax t'a parlé de moi ? Ah non. Il a pas entendu. Oui, mis à part une petite. Merci Sterling d'avoir remonté de rien, ça. De rien, je me permets, j'ai tout noté. Tu te permets. Attendez, je sors mon bloc-notes. Non, tu te permets plus maintenant. Oui, effectivement, il a fait un petit sous-entendu et tu étais là, il me semble. Oui, c'est avec lui que j'ai dormi hier, donc je pense que de voir mon oncle, ça a dû un peu changer. Oulala. Comment ça ? Vous avez plaît-il ? Non, il n'y a rien eu, mais disons qu'il m'a proposé de dormir chez lui, donc je pense qu'il m'aime bien, quoi. Il a quel âge, sans indiscrétion ? Attends, je crois que tu dois descendre, c'est des vitres blindées. Ça va, vous avez pas trop la tête qui tourne de votre soirée ? Ça va aller. J'ai l'impression, si je puis me permettre l'expression, ça a l'air d'être une ville de gangsters. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Oulala ! J'ai failli tomber. Effie, faut se rattraper, dis donc. Le concessionnaire n'est pas là, je vais mettre un message. Ah bah c'est bien dommage, dis donc. Un message sur la vitre ? Non, Sterling, voyons. Mais je veux dire un petit papier, un petit scotch. Un SMS. Non, je mets un petit message sur Twitter. Oh, on dirait que Twitter, c'est la réponse à tout. Oui. Oui, c'est exactement. Il se passe tout de même beaucoup de choses sur Twitter. Je pense qu'on devrait devenir des tweetos, tu vois. Oui, j'ai l'impression parce que là, j'ai vu un peu de tout. Hein. Je veux dire, tous les articles de loi sont passés par Twitter tout à l'heure. J'ai vu des enlèvements, j'ai vu des kidnappings, j'ai vu un peu tout ce que j'avais à voir. J'ai l'impression que dans cette ville, les gens revendiquent beaucoup de choses quand même. Hein. Ça parle pas trop cinéma, hein, sur Twitter, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Non, il y a
pas tout. On peut même voir un flic insulter quelqu'un comme ça. C'est normal. Pourrais-tu nous emmener au terrain de golf, s'il te plaît, pour cette petite soirée? Alors, ouais, mais je sais pas où c'est. Tiens, envoie un texto, s'il te plaît, à l'agent immobilier. Il m'a dit que c'était au terrain de golf. Ok, c'est au terrain de golf, Effi. Ouais, je crois savoir vers où c'est, mais je suis pas trop sûr. On y va. Bon, est-ce que tu as une carte, Effi? Oh là. Oh non, pas le coffre, pas le coffre, ça suffit, j'en ai. Allez, Sterling. Ouf. Non, Non. Je redescends alors. Voilà, je te laisse la place. Ah, mon attaché est devant. Sterling, ça va faire deux fois que je te dis. Je te donnerai l'attaché quand tu seras dedans. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Excusez. Monsieur, excusez-la. Dis donc, attends, c'est peut-être des vendeurs. Attends, je saute. Aïe. Attends, rejoins. Aïe. Tonton. Oui, mais fille, il faut attendre. Dis donc. Bah oui, il faut attendre que j'arrête la voiture. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Mais bonsoir. Bonsoir. C'est de bien beaux hommes qu'on a là. Dites-moi, est-ce que vous travaillez ici, monsieur? Moi, totalement affirmatif. Eh bien, écoutez. Moi, totalement pas. Eh bien, écoutez, on aurait besoin d'un véhicule parce que c'est utile. Ouais, je vois, genre pour circuler et tout, quoi. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Pour se rendre à différents lieux du coin du. Après, nous irons dans une soirée près d'un golf. Vous nous rejoindrez avec plaisir. Ma petite Effie, on y était. T'as dit quoi, Je sais, elle fait du bowling. Ma petite Effie, ah oui, on a fait du bowling hier soir. C'est vrai. Voilà, des beaux hommes comme ça, ma petite Effie, il faut y aller. C'est vrai qu'ils sont élégants et charmants. Oui, ils sont élégants, ils ont l'air charmants. Regardez cette. Bien éduqués. Voilà, oh là là, cette petite coupe. Effie, c'est pour toi. Je te le dis, c'est pour toi. Ah ouais, je le sens là. Je le sens bien là. Voilà. Bah, vous en parlerez plus tard. On passe quand même au véhicule. On ne veut pas avoir. Allez, viens, Sterling.